C'était le premier match de Ligue 1. On a joué contre Nîmes. Oui, le match se passait bien. On est bien rentré dans la saison. On a gagné. À la fin de match, j'avais une action. C'était pas un mouvement violent ou très très fort, mais avec l'adrénaline dans le match et tout, je sentais pas beaucoup de douleur. C'est venu après. Oui, en ce moment, je juste pensais, ok, quelque chose, c'est pas normal. Franchement, aujourd'hui, ce matin, c'était tout loin, tu vois. Le Zap, épisode 55. Watch it now. C'est tranquille. De soir, Becky, le premier jour. Et après, on va voir comment ça évolue, comment ça progresse. Ouais. Chupo, you're here, Pablo. Great block. Je suis content d'être avec Cyril pour le temps. Il est toujours positif quand il boit ses cafés. Ça se passe bien. Ouais, je sais que ce touche-là. Mais là, quand je touche comme ça fait mal. Déjà. Bah, la mission dans un premier temps, là déjà, c'est d'essayer de le soulager un petit peu avec des soins antalgiques pour faire disparaître un petit peu la douleur. Surtout laisser cicatriser tranquillement et récupérer une marche correcte avec les béquilles. Pour l'instant, l'objectif, c'est ça. Oui, la blessure, c'était une rupture complète de la ponévrose plantaire. On avait besoin de faire quand même des tests médicaux parce que c'est pas une blessure comme un ischio ou comme une blessure musculaire. C'est vraiment rare. Oui, on a fait les premières semaines, on a fait beaucoup mobilité, beaucoup de drainage pour garder la forme. On a fait cardio et sur le vélo, on a fait des exercices de stabilité, de force en salle. September. Oui, en fait, c'est ça le plus dur pour chaque jour, voir que les autres, ils s'entraînent, ils jouent des matchs. Et toi, tu peux pas faire qu'est-ce que tu aimes faire tous les jours, qu'est-ce que tu adores de faire. C'est ça le plus dur, le plus difficile. Tu peux rester avec lui au cas où pour le surveiller quand même. Moi je vais remonter avec Fresco. Merci. Ça dure combien de temps là? 3 minutes. Ouais. Difficulté aujourd'hui? Difficulté? Pour moi? Ouais. Pour moi 2. Pour toi? Aussi. 3. Allez là. Tu restes combien? Je t'ai. 1 minute. Ah oui? C'est azote.
tu vas descendre à combien pour l'instant? Normalement c'est plus. 170, 60, 150. L'objectif 170. C'est la première fois. C'est froid? Ouais. Bah c'est logique. Je suis bon, petit loup. Oui, après c'est aussi en dessous du pied, ça veut dire il n'y a pas beaucoup de circulation de sang et c'est pour ça que c'est un peu difficile à gérer, c'est encore douloureux des fois. On est parti ensemble au Qatar pour faire des analyses, pour faire des tests. Parce que là-bas, c'est aussi, il y a des technologies un peu différentes que ici. If you're feeling any sensations of any issues, hold on and jump off. No problem. Because that would be a little, generally a little bit more stable bit. Yeah. That's interesting. I want you just to do, and you would have done this before, I want you just to do a knee to wall or a knee to pole in this, Yeah, let's start on one. Yep, so basically, away you go. You just lean forward as far as you can. Any pain when you get to the front? 10.4 get to the front? 32.3 degrees. Okay, one more. 32.1 degrees. And again. 33.4 degrees. Do you feel like there's any more in that? How does that feel? It's fine. So, do you know anything about Iceland? A little bit. Okay. And then you can ask your physios to do that. It's simple. You can. Yeah. You don't do anything. You let me do it. Oops. What's that about? And so this typical osteopathic test, and we want to see. On avait pas mal des solutions, pas mal des opinions aussi, des vues sur la blessure, sur la récupération. C'était un pas en avant. C'est clair de retourner à l'entraînement avec le groupe, à l'entraînement sur le terrain, c'est un sentiment bien parce que voilà, c'est clair que tout va bien et c'est juste à la fin de réhabilitation. Et ça veut dire aussi que tu es plus loin de jouer, de rejouer. Et, oui, c'est vrai que là, c'est un peu comme l'image, on voit la lumière à la fin du tunnel. C'est un bon moment. Après une blessure aussi longue comme je l'avais eu, c'est bien de retourner
au parc avec l'équipe sur le terrain et ça fait vraiment plaisir. Et c'est un bon moment parce que c'est la fin d'une période qui n'était pas très facile.